laisse-moi te raconter l'histoire que tout le plaid a en mémoire. Un match épique qui eut lieu sur terre battue. Approche un peu. Joli passing du fond du cours, monté au filet, regard en coin, c'est bien ce jour qu'a commencé l'histoire folle de François et Nicole. Le score de ce match, à la fin, qui l'emporte? Personne ne s'en souvient. Un 7 ou 2 ou 3, peu importe, restent 12 petits enfants. C'est pas rien. Un vélo qui le dépasse, Valentin accélère la course à pied, c'est son espace. Victoire est équipée, elle a lâché ses skis, cette fois c'est sûr, elle va gagner. Au bord de cette route, peinards sont installés, de gros malins, Victor et Martin. Copains comme cousins, ils commentent. Bah non, c'est pas triché. Bah non, un vélo contre quelqu'un qui... Ouais. Bah non. 45 000 personnes à Geoffroy-Guichard. Le stade est chaud bouillant. Castaneda relance sur Jean Vion qui passe à Cesarito. Crochet à droite, passement de jambes. Il centre, remise de Johnny Rep sur Platini qui temporise, passe en profondeur pour Neto qui fixe son défenseur. Accélère, il arme sa frappe, il tire, le ballon se dirige vers la lucarne et but! Fanny s'en mêle, rappelle les règles. Ceci est une course à pied. Quand elle se pointe, ça va barder, c'est sûr. Et les deux mains jointes, d'une voix calme, elle dit: de toute façon, la course est annulée, il pleut. S'il y a besoin de soleil, on appelle. Si tu veux sourire jusqu'aux deux oreilles, tu appelles Isabelle. Attentive et juste, Célestine tombe le drapeau. Elle décide au micro. Tout le monde a gagné! Bravo! Mais regarde au loin, ça brille. Est-ce Camille? Oui, et Pétronille. Elle prépare toutes deux le ravitaillement avec des petits plats tout remplis d'amour. C'est trop touchant. Au milieu du bois, il y a un gaillard de Saint-Genet qui a transformé toute la forêt en monture de lunettes avec son imprimante 3D. Il a faim, Antonin! Vinca regressa pronto. El no dejarani un pizzato de pan. Ven a salvar la comida. Necessitamos Rusticia aquí. Non mais vous voulez pas faire une chanson un peu plus courte où on résume tous les cousins? En plus personne parle espagnol ici, génial. C'est vrai, un truc plus compact. Non, trop rapide. Ouais, là c'est bien. C'est bien. Célestine est divine et Martin est le meilleur copain de Victor. Quel plus fort? Non, ça c'est Antonin. Ah bah oui, c'est Antonin. Isabelle est la plus belle. Ah bah attends, c'est pas plutôt Camille? Non, la plus belle c'est Pétronille. Quelle famille. Vainca. Fracas. Alinéa. J'adore Abdallah. M'emmerde pas. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Hugo. Reviens-moi. 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 Fanny fait des blagues pourries. C'est toi qui l'as dit. Et César. Oui, ok.
c'est ma star. Et Victoire, c'est une piste noire. Valentin, c'est le plus grand cousin. Mais que sera le plaid si de cette bande, chacun, 12 enfants abritait? J'ai hâte d'être demain. Ce n'est que le début de l'histoire folle de François et Nico.